القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أطر وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. Dans la nature humaine, nous pouvons nous rendre compte que chacun d'entre nous, dans sa vie de ce bas monde, nous chérissons beaucoup de choses, nous aimons beaucoup de choses. Notre honneur, la santé, les enfants, la famille, le repos, et ainsi de suite. Et ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Saint-Coran. Et parmi toutes ces choses-là, il y a peut-être un dénominateur commun qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle sans cesse. Nous vivons dans ce bas monde, peut-être il peut nous arriver de vivre pour ces choses-là. C'est pour ça que quand nous regardons le Saint-Coran, nos hadiths, les versets, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous rendons compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala de maintes manières fait allusion à ces choses-là. Et parmi ces choses-là, en général, dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle souvent de deux choses. Et ce sont nos faiblesses. Ce sont des choses que nous tenons à cœur. Un téléphone ? Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Deux choses que nous chérissons et pour lesquelles peut-être nous travaillons, nous passons toute notre vie pour ces deux choses-là. Or que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attention, vous pouvez travailler pour ces deux choses-là, mais en même temps, n'oubliez pas une troisième chose. Et cette troisième chose-là, c'est dans ce domaine-là que peut-être nous sommes un petit peu faibles. Voyez-vous, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans Sourate al-Shu'ara, c'est le chapitre 26 du Saint-Coran. Et dans les deux versets suivants, le 88 et le 89, nous dit que voilà les faiblesses de l'être humain. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, yawma la yanfa'u malun wa la banun. Ce jour-là, le jour du jugement, ni vos biens, ni vos enfants, vous seront d'aucune utilité. Yawma la yanfa'u. Aucun nafa, aucun faïda, aucun profit. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Illa man atallaha bi qalbin salim. Ce qui peut vous être favorable n'est autre qu'un cœur sain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire qu'il peut vous arriver de faire beaucoup de sacrifices, passer votre vie tout entière pour ces deux choses-là. Yawma la yanfa'u malun. Voilà. Et si nous allons visiter encore un peu plus le Saint-Coran, nous pouvons nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala en parle aussi dans les détails pour nous expliquer. Par exemple, il nous dit dans Sourate Kahf, c'est quel chapitre du Saint-Coran, la caverne ? Le 18. Quelqu'un qui a oublié sa montre, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc dans le chapitre 18 du Saint-Coran, sourate Al-Kahf, verset 46, là il nous dit très clairement,
Il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Faites attention. Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya. Attention. Vos biens, l'argent que vous amassez et vos enfants ne sont autres que l'ornement de ce bas monde. Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya. Hayati dunya. Mais après, il nous rappelle une troisième chose. C'est cette troisième chose-là que nous devons essayer de faire le maximum. Nous allons continuer notre explication. Encore une fois, quand il s'agit de l'argent, de la famille, des enfants, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle sans cesse, à divers endroits. Nous pouvons par exemple vérifier le verset 24 du chapitre 9, surat al-Tawba, verset 24. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous parle pas seulement de l'argent et des enfants. Il va un peu plus dans les détails. Il nous parle de 8 choses. Et vous avez déjà entendu tout cela dans mes discours. À vous de faire les recherches. Il dit par exemple, Bismillahirrahmanirrahim, قول إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. Et ainsi de suite. 8 choses. Dis-leur, si vous aimez vos parents, vos enfants, vos époux, vos épouses, vos tribus, vos familles, l'argent que vous avez amassé, pour lesquels vos négoces, vous avez peur que tout ça diminue, attention. Ne vous donnez pas ces priorités-là. Voyez-vous, je vous ai cité combien de versets ? Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle sans cesse des enfants. On peut aller encore dans les détails. Surat al-Hajj, chapitre 22, versets 1 et 2. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela. Il y a attention, le jour du jugement. Inna zalzalatis sa'ati la shay'un adhim. Yawma tara kullu murdi'atin tad'u hamlaha dhata hamlin tad'u hamlaha. Attention, ce jour-là, même les femmes enceintes vont laisser leur enfant. Tarannas sukara. Tu vas pouvoir voir les gens ivres. Ils ne sont pas ivres. À divers endroits, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde et nous dit, peut-être que vous chérissez vos enfants, peut-être que vous chérissez vos biens. Ce n'est pas cela qui doit être plus important pour chacun d'entre nous. Il y a une troisième chose qui doit être importante pour vous. Et donc, quelle est cette troisième chose? Revenons au chapitre 18, verset 46. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-mal wal-banoun, zinatul hayati dunya, wal-baqiyatu salihat, khayrun inda rabbika thawaban, wa khayrun, amala. Les enfants, les biens, ne sont que ornements de ce bas monde. وَالْبَقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. Et les bonnes actions qui durent sont susceptibles de vous ramener quoi? ثَوَابًا. En guise de récompense, ce sont vos bonnes actions qui vont vous donner la récompense. Et la meilleure des espérances que vous pouvez garder n'est autre que quoi? Dans les bonnes actions. وَخَيْرٌ amala. Si vous pouvez espérer, voyez-vous, nous espérons pourquoi? Dans notre argent, nous avons placé notre espérance dans les biens, dans les gains que nous avons. Nous avons placé notre espérance dans nos enfants. Or, que la chose vers laquelle nous devons nous tourner, à chaque fois, à chaque moment, c'est penser, est-ce que je suis en train d'accomplir les actes qu'il faut? Nous devons chérir nos actes. Nous devons aimer nos actes. Bien sûr, quand je dis cela, il ne s'agit pas de laisser tout ce qu'on a amassé, les portes ouvertes à la maison, venez prendre. Moi, j'en veux pas, l'argent. Il ne s'agit pas d'aller jeter nos enfants à la poubelle. Non. C'est de savoir quelles doivent être nos priorités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il nous parle des enfants et des biens. Des biens et des enfants. Et la troisième chose vient toujours en troisième position. Or, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, la priorité que vous devez prendre n'est autre que vos actions. Voilà pourquoi il nous rappelle, non seulement dans ce bas monde, mais pour l'au-delà aussi.
نهج البلاغة encore. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Il nous dit للمرء المسلم ثلاثة أخلاه. Pour l'être soumis, il y a trois compagnons, trois amis. فقليل يقول له انا معك حيا وميتا وقليل يقوله انا معك الى باب قبرك وقليل يقول له انا معك الى ان تموت. Chacun d'entre nous a trois compagnons de route, l'imam Ali al-Islam nous dit. Et ces trois amis-là, ces trois compagnons, il y en a un qui dit je suis avec toi de ton vivant et même après la mort. Il y en a un deuxième qui dit « Je suis avec toi jusqu'à la frontière ou la porte de ta tombe. » Il y en a un troisième qui dit « Je suis avec toi jusqu'à que tu meurs. » Voyez-vous, quand nous analysons ces narrations-là, nous nous rendons compte que quelles sont les choses vers lesquelles nous devons donner les priorités. Vous voyez, quand il s'agit de l'action, l'imam Ali nous continue et nous dit. Le premier nous dit et l'ami dit wa huwa khalil yaqul lahu ana ma'aka hayyan wa mayyita. Tu es vivant et en étant mort je suis avec toi. Wa huwa amalu, c'est l'action qui est l'ami qui sera dans ce bon monde et dans l'au-delà. Et il nous dit très clairement je serai avec toi tout le temps. Mais il y en a les deux autres, ce ne sont pas des amis pour l'éternité. Et le pire d'entre eux, le pire d'entre eux, le second. Voyez-vous de quelle manière l'imam alayhi salam nous explique ? Il nous dit « Wa khalilun yaqulu lahu ana ma'aka ila bab qabrik. » Je suis avec toi jusqu'à la porte de la tombe. « Wa huwa walado. » Et c'est son fils, ou son enfant, ou sa progéniture, ou ses enfants. Voyez-vous ces enfants que nous chérissons ? Dans ce bas monde, nous, nous sommes avec eux. Mais jusqu'à quel point eux seront avec nous, l'imam al-Islam nous dit, ils vous seront utiles que dans ce bas monde. Dès que la porte de la tombe sera entrouverte, il viendra jusqu'à là-bas. Et après, il n'y aura plus rien. Et le troisième ami, qu'est-ce qu'il nous dira ? Je suis avec toi jusqu'à que tu meurs. Et là, ce n'est autre que son bien. Tout ce qu'il a ramassé, tout ce qu'il a amassé comme bien, comme richesse dans ce bas monde. Ce troisième compagnon nous dira et nous dit, je suis avec toi jusqu'à que tu meurs. Voyez-vous, l'action, c'est celle vers laquelle nous devons donner une priorité. L'imam al-Islam, un de ces jours, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. C'est une narration que vous avez déjà entendue. L'imam al-Islam est en train de donner un khutbah et expliquer aux gens qui sont présents et il leur dit « Où vous les hommes, sachez « Inni lam uhsinu ila ahadin qat walam yusi'ni walam asa ilayya ahadun qat » Où vous les gens, sachez que je n'ai été bienfaisant envers aucune personne. Inni lam uhsinu ila ahadin qat. Jamais j'ai fait du bien à quelqu'un. Vous avez fait du bien à quelqu'un dans votre vie? Hein? Beaucoup, hein? Vous? Beaucoup. Et donc vous êtes meilleur que l'imam Ali. L'imam Ali al-Islam est en train de dire, moi je n'ai fait aucun bien vis-à-vis des autres. Imam Ali! Et moi je dis, moi j'ai fait du bien. Celui qui a rangé tout ça là, qui sont venus en avance une heure avant nous, ils ont fait du bien ou non? Hein? L'imam Ali est en train de dire, je n'ai fait aucun bien. Et il n'y a pas que cela, il continue. L'imam Ali nous dit, et personne ne m'a fait du mal. Jamais. Donc on va prendre toujours les deux personnes. Vous avez fait du bien. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal dans ce bas monde? Jamais. Là, c'est bon, vous êtes à côté de l'imam Ali, vous. Quelqu'un vous a fait du mal? Jamais.
L'imam Ali dit, moi je n'ai fait du bien à aucun. Aucune personne. Et personne ne m'a fait du mal. Et quand nous regardons l'histoire de notre premier imam, nous nous rendons compte que c'est ce même imam Ali alayhi salam qui sort dans la nuit, qui donne aux nécessiteux, aux pauvres, aux mendiants, aux orphelins, aux veuves. Tout nécessiteux, tout le monde passe l'imam Ali alayhi salam. Et il est en train de dire sur le mimbar, moi je n'ai fait aucun bien. Et quand nous regardons l'imam alayhi salam, quand il dit personne ne m'a fait du mal, Ya Ali, personne ne vous a fait du mal. Ibn Muljim, il vous a frappé. On vous a attaché la corde au cou. On vous a essayé d'éloigner du prophète. Et vous dites, on vous a pas fait du mal. Vous avez participé à toutes les batailles de l'islam, là où on vous attaquait avec les épées, les lances et les pierres peut-être. Et vous dites, aucune personne ne vous a fait du mal. Et donc les gens se sont demandés, Ya Amir al-Mu'minin, comment est-ce possible que vous n'avez fait aucun bien pour les autres et que les autres ne vous ont fait jamais du mal? L'imam al-Sallam dit, c'est tout simple. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit, et il récita ce verset, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Chapitre 17, verset 7. L'imam al-Islam nous dit, si je suis en train de déclarer cela, je n'ai fait aucun bien ou aucune personne ne m'a fait du mal, car Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire, si vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites du mal, vous le faites à votre détriment. Voilà pourquoi toutes les bonnes actions que vous avez faites, vous, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. Voilà de quelle manière l'imam al-Islam est en train de nous dire que toutes mes actions seront ou bien en ma faveur ou à mon détriment. Voilà pourquoi c'est une priorité que nous devons donner. Bien sûr, ne pas oublier ce que nous gagnons, ne pas oublier nos enfants, mais cela est la nature humaine. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse dans le Saint-Coran nous parle toujours mal, banoun, banoun, mal. L'argent et les enfants. Voilà pourquoi nous allons nous rendre compte qu'au combien nous devons donner la priorité à nos actions. Voyez-vous Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, sourate Hashr, l'Exode, le chapitre 59 du Saint-Coran, notez bien ces deux versets-là. Chapitre 59, versets 18 et 19. Et toujours, quand nous passons à ces versets-là, essayez d'associer ces deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Wattaqullah inna Allah khabirun bima ahsan. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 59, 18. Ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ya alladhina amanu taqullah. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Et que chacun d'entre vous, chaque personne se demande la question, qu'ai-je préparé pour mon lendemain? Ma qaddamat li ghad. Wattaqullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'lamun. Il est connaisseur de ce que vous faites. Et tout de suite après. 59 19, il nous dit Voilà ce qui peut vous arriver. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسَوُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le résultat sera que eux-mêmes ils vont s'oublier, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire oublier leur propre intérieur. Ces gens-là ce sont des pervers. Voyez-vous, l'action est tellement importante que avant de donner la priorité à nos enfants, aimer nos enfants et nos richesses et tous nos biens, Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, est en train de nous tendre la perche en disant, n'oublie pas ton action. C'est ça que tu dois chérir le plus.
C'est ça que tu dois aimer le plus. C'est pour ça que tu dois te... comment dire en français ? Soucier. Ah, ça. C'est pour ça que tu dois te soucier le plus. Est-ce que mes actions sont dignes d'être acceptables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Mais ça, dans ce bas monde, je les oublie. Voilà pourquoi sans cesse, quand je parle de l'action, je vous fais rappeler, je me fais rappeler, et Allah subhanahu wa ta'ala me rappelle, quand il s'agit de l'action, ne jamais oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a marié avec l'action quelque chose. Vous qui m'écoutez depuis des années, voyez-vous l'action là? Avec l'action, Allah subhanahu wa ta'ala a marié quelque chose. Taqwa, sadaqa. Bien. On ne va pas prendre vos idées, on va prendre le Saint-Coran. C'est lui qui va nous dire avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a marié l'action. Allah subhanahu wa ta'ala, sourate Mulk, chapitre 67. 68, c'est Qalam. 67, verset 2, nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il est celui qui a créé la vie et la mort pour qu'il puisse savoir, pour que vous soyez dans l'examen. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'action, la mort. Nous sommes quoi aujourd'hui? Jum'ah. Vendredi. Surat al-Jum'ah, c'est quel chapitre? 62. Chapitre 62, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi, il est en train de nous dire, attention, la mort et l'action sont tellement mariés que toi, tu vas oublier, tu vas essayer de les divorcer. Mais moi, je vais te le rappeler que la vie, la mort et l'action sont liés à jamais. Il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qol, mon prophète dit-le, Qol. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. 62:8. Qol, inna al-maut alladhi tafirruna minhu. Dis-leur, la mort que vous êtes en train de fuir, c'est lui qui va venir à votre rencontre. Et par la suite, vous serez ramené vers le connaisseur, de l'invisible et du visible. Vous serez ramené vers lui. Pourquoi faire ? Alim al-ghayb al-shahada, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Et par la suite, il va vous informer de ce que vous faisiez dans ce bas monde. Voyez-vous, peut-être après la mort, moi, je vais essayer de prendre le divorce avec mes actions, mais Allah subhanahu wa ta'ala va me faire rappeler en disant, non, tes actions sont mariées avec toi. Et donc après la mort, je vais te faire rappeler qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et donc, chers frères, dans ce bas monde, il est plus important de se soucier de l'action que de nos enfants, que de nos biens ou d'autres choses. L'action est tellement importante. Et c'est pour ça, tous les jours, je dois me demander... Toutes les actions que je suis en train de faire sont-elles comme Allah subhanahu wa ta'ala le voudrait? Car l'action est tellement importante. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Au niveau de l'action, pour finir, on est déjà à 26 minutes, le prophète a dit une chose. Innama al-amalu bin-niyyat. Tout va dépendre de nos intentions. Et donc, chérir les enfants, chérir le bien, si derrière l'intention est propre, saine, comme il se doit, eh bien même cet amour vis-à-vis des enfants, cet amour vis-à-vis de l'argent, pourrait être conditionné ou accepté en tant qu'action. Donc, à moins de faire de telle sorte que mes enfants deviennent mes alliés, le bien, la richesse que je suis en train d'essayer de ramasser et de amasser, que cela aussi devienne des alliés. Quel genre d'alliés?
Pas des alliés qui vont me laisser à la porte de la tombe, comme l'imam Ali al-Salam a dit. Pas des alliés qui n'attendent que ma mort. Ces enfants et cet argent doivent devenir des alliés, comme l'imam Ali al-Salam m'a dit. Wa khalilun yaqulu lahu ana ma'aka hayyan wa mayyatan wa huwa 'amalu. Et l'ami va lui dire, je suis avec toi de ton vivant, et pendant et après ta mort aussi. Et cela n'est autre que l'ami qui s'appelle عملوا لاكسيون هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر